Bon, bonjour les gens. Aujourd'hui, il n'a pas envie. Non, il n'a pas envie, le gars. Alors, comme le client ne peut pas un autre jour de la semaine, je suis venu un samedi. N'en prenez pas l'habitude. L'idée, il faut démonter ça. Alors ça, vous voyez, une taille trop brutale. Ça a été fait par un monsieur à qui on a demandé de faire ça. Alors, il a fait ça. Alors ça, c'est, ça date d'il y a quelques années. Ensuite, il a fait ça. Ça, c'est pareil, c'est violent. Et là, vous arrêtez pas de vous dire « Ah, Domi !» Allez, ça, là-bas. C'est pas beau, ça? Ça, c'est beau. On est toujours d'accord, hein. C'est ce qu'a demandé le client. Ne demandez pas ça. Faut pas demander ça. Tu vois l'arbre, là? Par là? Allez, faut pas demander ça. Faut pas. Tu peux aller chercher de l'eau lourde. Arrêtez de demander ce genre de choses. Ça, ça doit avoir 7-8 ans. Et voilà. Donc arrêtez de demander ça. Et après, j'ai les deux branches à tomber là. Voilà, bah, celles-là sont cassées. Voilà, c'est le coup de vent qui a tout cassé. Voilà. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Maintenant, eh bien, Dom, il vient. Il... On va les tailler par là, à peu près. Tu vois. Sympathique. Donc arrêtez de demander ça. Voilà le résultat quelques années après. Après, vous m'appelez et puis vous me dites « Oh là là, il est tout mort !» Ben ouais, il est tout mort. Ouais. Il est tout mort. Ouais. T'as été beau. Surtout, je n'ai rien, quoi. Ah, ben c'est en fait, de l'autre côté, t'as juste une clôture. Hein. Tu vois, avec un petit barrage. Ouais, t'as rien, quoi. Sympa, le coin. Moi, j'aime bien. Vraiment sympa. Le coin est vraiment joli. Et en fait, voilà... Bah je l'ai pas, hein. Je n'ai pas du tout. Hein. Alors là je pense que je vais avoir des surprises quoi, parce que ça s'appelle un clou. Qu'est-ce qu'il y a, Beb? Tu vas être baigné. Voilà, donc celui-là par terre, celui-là pareil, parce que là-haut c'est tout sec, tu verras quand je serai là-haut, mais... Et après, ben, celui-là. Ah, je ne vais pas en sortir, mais... Ah si. Oh mes bébés. Oh mes bébés. Un raton laveur, un chien laveur. Ah, à part je l'aide. Ah, comme il est heureux le chien, comme il est heureux. Tu retournes pas, hein. Viens, viens. Viens là. Viens là, viens. Allez, viens. Là. Ah. Bon les gens, j'avais oublié de vous allumer tout à l'heure. Alors, quand je vous ai dit au départ, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà. Arrêtez de nous faire faire des conneries. Vous voyez où attacher la corde là-haut? À peu près par là, au départ du marin. Tout le haut là-haut, ça vaut rien. J'ai glissé là et j'ai failli tomber. Regardez la tête de la branche. Allez, ça. Ah, t'as un fleufli. Un fleufli, il était pas content, il a eu peur. Oh, vous avez vu une petite nouvelle. Petite nouvelle, elle est mignonne. Oh, elle est mignonne. Oh, elle est mimi. Oh. Ouais, il comprend pas trop ce que fait Fluffy, mais. Oh, voilà. On va la battre, mais ne faites pas ça, quoi. C'est du boulot de merde. C'est ni fait ni à faire. C'est un gros boulot de merde. Ok. Bon, on va essayer de la battre. Et on va essayer de le mettre là. Bon, ça, c'est moins sûr. On va espérer qu'il pète pas en deux. Allez, on y va. Surtout là, tu tires doucement parce qu'il va, il va casser. Là où il est attaché, il est déjà bien pourri. Ouais, je sais. La tête gigote comme une dingue là-haut quand il est dedans. Que je gigote à ce diamètre-là, c'est pas normal. Je sais. Parce que je voulais pas prendre la pointe sur le museau. Allez, on y va. On va prendre la moto et on va prendre la mobilette. Allez, abattage. On va abattacher. Il est beau le bébé. Oh, il est beau. Allez, vas-y, mon petit cœur, mais attention. Là, reste là. Abattaché.
Ah, tu vois, ce diamètre là, c'est pas normal que ça éclate. Bah non. Ouais, donc il valait mieux les coucher. Hein. Je pense que là, au moins, on est tranquille. Ah, ça a cassé là, ça a cassé là-bas, ça a cassé en haut, ça a pété les branches. Ah, et ça? Tiens. Hein? Hein? Tu le vois, ça? Alors ça, arrêtez de nous faire couper les arbres en haut comme des cons. C'est un bon grimpeur, il flippe. Je fais peur, le grimpeur. Non. Hé, hey, les gens, regardez. C'est des arbres à flotte. Ouais. Attention, j'échauffe le monstre. Échauffage du monstre. Faites prêt. Attention. Alors, c'est qui King Kong? Oh, je t'aime. Ouais, tu peux t'en servir pour nettoyer la table, c'est une éponge. Alors, vous voyez, une grosse coupe en tête. Et ben voilà ce que ça donne. Comme celui-là, là-haut, c'est coupé à plat. Résultat, l'eau est rentrée. Rentrée, 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 rentrée. Tout est pourri. C'est entièrement pourri. Alors, si vous avez ça à côté de chez vous, alors regardez, il est pourri jusque là-bas. Parce que la branche qui pète comme ça, à ce diamètre, c'est pas normal. Qu'elle pète en haut, là. Oui, ça, c'est normal. Mais qu'elle s'arrache là-bas, ça, c'est pas normal, les enfants. Et celle-là, regarde. Fait bien que je sois costaud, mais... Attends, tu vois, si je tire, je l'emmène, celle-là. Tu vois, regarde, regarde comme c'est spongieux, regarde. 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 Comment il tient, le grimpeur, là-dessus? Je sais pas. Regarde, regarde. Il est pourri, au moins jusque-là. Là-bas, ça va à peu près. Arrêtez de faire couper les arbres à plat sur des grosses sections. Alors, on le fait parce que vous le demandez, mais c'est de la connerie. Voilà. Parce qu'après, le bébé, il est pour le grimpeur suivant. Je suis le troisième. Enfin, celui d'avant, il n'a pas fait grand-chose, il a juste dit, il va mourir. C'est ça. Celui d'avant, il est monté, mais au lieu de le coucher quand il était encore à peu près, qu'on pouvait monter jusque là-haut, eh bien, il a dit, bon, ben, il va falloir appeler le crématorium. Mettez des sous de côté pour l'enterrement. Vous avez vu la petite? Oh. Eh, y en a qui ont des cours à prendre. Allez, la petite. Allez, on y va. Ah, t'as vu, où ma tronçonneuse coupe énormément bien. Ou alors elle a acheté des chevaux pendant la nuit. Ah, ça. Tu vois, ça c'est dommage de ne pas s'en être occupé avant parce que ça c'était vendable. Maintenant. Qu'est-ce que tu vendais? La bille. Maintenant elle est plus poubelle. Il restait pas grand chose de bon. Dommage. Allez. Abattage. Tu le vois l'accident, comment ça arrive? Oh, ouais. J'ai eu peur. Mais pas que toi. Mais je me doute, j'ai eu peur pour toi. Mais tu vois, t'as fait un superbe abattage. Abattage, oui. Abattage. C'est un superbe abattage. Oh, saloperie. Putain, quelle merde. Elle est où la machine? Moi, vous voulez que j'arrête de fumer après ça? Tu le vois, ça? Oui, je le vois. Oh, l'enculé d'arbre de merde. Bon. Il m'a remédé mes émotions. Et il vous reprend après. Parce que quand j'ai prévu, j'ai fait les cons. Mais quand j'ai pas prévu, regarde. Ouf.
1, Domi a peur, 2, je claque des dents, 3. On a de la chance. Ouais, c'est surtout qu'il a cassé tout seul. C'est vrai ? J'ai pas tiré. Non. Non, j'ai pas eu le temps. Elle a pas eu le temps. Ouais, ah. Ah oui. Ah oui, c'est... Voilà, voilà. Ouais, l'entaille venait jusque là. Ouais. Et tout ça, ça s'est cassé. C'est ça. Il tenait pas par grand chose, quoi, en gros. Hein. Il tenait par là où t'as coupé. Ouais, ils sont mieux par terre. Ouais, c'est tout mort. Poubelle. Mais Aline, ça serait tombé sur quelqu'un ça. C'est ce qui s'appelle avoir écouté quand même. L'entaille était bonne. Hey, non mais. On va croire qu'il est passé quand même entre les deux. Je veux dire, il aurait pu se prendre la branche du. Non, non, non. Le petit, il s'est pris. Il s'est fait fouetter. Ouais, il s'est fait fouetter. Non mais normalement, il allait un mètre plus loin. Ouais, ouais. Tiré, oui, il avait le temps. Mais là, non. Et il a cassé avant que ça se tende. J'étais encore en train de faire l'entaille. Ils sont vraiment. Mais heureusement que tu avais fait déjà l'entaille dans le bon sens. Surtout que la première, je l'avais loupée. Et ben, il venait là. Condadel. Ah, je me remets juste de là-bas et on en fait une autre là. Mais ben, regarde, c'est pas compliqué. Et ce qui est mouillé, bon. C'est ça. Tout ça, c'est pourri. Il est pourri jusque-là. Ouais. Incroyable. Ça tenait par ça. C'est incroyable. Non, mais c'est pour ça qu'ils sont mieux en bas. En fait, ça, c'est. C'est mort. C'est mort. Poubelle. Eh ben. Ça va en faire des souvenirs, hein. Allez, abattage. Celui-là était bon. Ouais, il est plus. Celui-là, il est propre. Ouais. Ça a l'air plus ça. Ouais. Alors, les gens. Ça donne ça les grosses coupes. Ward. Ah, c'est beau. Hein, alors on voit qu'il a voulu commencer à guérir. Mais. Alors que là, sur une section plus petite. Vous voyez ? Allez, il a guéri. Là on peut perdre. Il est bien guéri là. Alors que là, sur une section plus grosse. Voilà. Faites pas n'importe quoi. Ah ouais, il y a des mecs qui se font peur. Allez, grimpage. Attaché. Oh le dieu. Et j'avais compris qu'il fallait pas tout mettre par terre. Mais c'est ce qu'il a dit au début. Et après il a dit oh c'est pas grave, t'es là. Fais tout par terre. Regardez comme elle est belle. Elle est belle, ma nounou. Ah, si je trouvais le con qui a fait sauter le pont. C'est un cul pour accéder au pied. Ah putain. Ah, tu vois là, regarde la trace. Ah ben là, elle est affûtée. Je l'ai plantée dans la terre. Elle est bien affûtée. Alors, tu as compris le coup ? Eh ben, quand elle est dans mon état, c'est comme papa dans maman, ça glisse tout seul. Ouais, il faut que j'attende qu'elle sorte le 4x4 parce que si elle tourne mal, big boom, bada boom. Elle serait con de faire une connerie maintenant. Là, jusque-là, la chance est avec nous. Ah la vache, la balade chez cassage. Oh, c'est très beau. Hé, chérie, moustique. Ah, ça va bien. Ça va bien, les chiens. Hein.
Ah, tu perds. On va du beurre. On va du beurre, le pauvre. On va du beurre. Ah, le vent, il a tout cassé le bras. Le docteur va opérer. Allez, ma fille. Tombe. Je t'aime, mon amour. Et voilà. Tu es là. Yeah. Ah, t'es capote. Mets-moi la capote. Elle fait. Hein. Bon alors, ça c'était complètement pourri. Ça là-bas c'était complètement pourri. Au milieu ça allait. Normalement quand tu fais une entaille, c'est 2 tirs, 1 tir à peu près. Grosso merde, ouais. L'entaille est 1 tir pour 2 tirs de bois. Mais l'entaille fait 1 tir. Et il y a 2 tirs de bois qui sont pétés francs. Qui sont arrachés. 2 tirs de l'arbre pétés francs. Bon, Vincent, Vincent et Laetitia. Oui, Laetitia. Oui. Ouais, elle arrive, c'est la fin de la guerre. Elle. Ouais, mais j'ai bossé quand même cette semaine. Ah ouais, moi ouais. Aussi, mais de mon côté. Hein. Bon, on arrive, c'est ça. Mais non. Non. Ah oui, mais moi ça se voit. C'est ça. Non. Non, je vois tout ce qui est parfait. tout ce qui est enlevé. Bon, est-ce que ça t'allait? Impeccable. Ça te plaît? Oui. C'était chaud. Beau boulot. Et ouais, c'était bien chaud. Hein. C'était chaud, ouais. Ouais. C'était bien pourri ces arbres. C'était des arbres bien pourris. C'est ça. Mais bon, voilà. Je me suis fait bien peur. Mais au moins, c'est fait. Tiens, pour un samedi. Ouais. Mais là, maintenant, c'est lui qui fait tout. C'est ça. Bah, il est tard. 8h moins quart. Oh putain. 8h moins le quart, c'est l'heure du quart. Alors nous, ne coupez pas les arbres en l'air. Arrêtez vos conneries. Quand Tannenhauer vous dit coupez pas de grosses sections, ne coupez pas de grosses sections. Donc celui-là, vous l'avez vu, il est complètement pourri. Celui-là, il est complètement percé. Et pourtant, regardez, il est vert. Hein. Alors, vous le voyez mal là parce qu'il fait un peu noir, mais il est vert. Celui-là, il est pourri. C'est celui qui était là, celui qui était derrière. Regardez, la pointe est là. Hein. Vous voulez que je compte? Juste pour le fun. On y va ou pas, hein, je sors pas le mettre. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 mètres. 5 mètres de pourri, regardez ça. C'est plein de flotte, ça pisse. Ça pisse la flotte. Arrêtez. Quand on vous dit ne coupez pas les arbres sur des grosses sections, ne coupez pas les arbres sur des grosses sections. Voilà le résultat. Après, c'est l'accident, le danger. Vous avez vu celui-là là-bas, il a pété tout seul. La coupe, 2 tirs, 1 tir. 1 tiers de coupe. 2 tiers de bois, il s'est couché tout seul. Ne faites pas n'importe quoi avec les arbres. Alors, c'est pas lui hein, qui a fait ça, je vous le dis. Sur les commentaires, c'est pas la peine de l'allumer à lui, il a rien fait. Il a acheté la maison et était comme ça. C'est pas sa faute. Et si vous avez des arbres et que vous voyez que c'est des coupes à grosses sections sur les maisons que vous achetez, faites monter quelqu'un pour voir la gueule que ça a là-haut. C'est ça. Là, les coupes ont a vu donner 10 années. Hein. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ce qu'on a. Grosso merdo, c'est à peu près. Donc il y a un autre élagueur qui est venu, il est monté voir, par acquis de conscience. C'est ça. Il lui a gentiment dit d'aller chercher de l'eau à Lourdes. Pourtant, il en a de l'eau à côté, mais ça ouais. C'est pas celle-là. Elle est moins bonne. Donc ne coupez pas les arbres sur les grosses sections. Le prochain, c'est celui-là. Dominus Espiritus Santos, Amen. Parce qu'avant, il y avait le trou du coucou, ouais. C'était au-dessus. Et maintenant, bah, c'est en dessous le trou du coucou. Ah, bah ouais. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre à coucou. L'arbre à coucou. Et bah oui, il y a un beau trou de coucou. Ah, que coucou. C'est coucou. Ça. Oh. Mais il est pourri de chez. Bon, voilà les gens, on vous laisse parce que vous n'allez plus rien y voir. Vous ne voyez plus. Nous, on a fini. Ouais. Soyez sages. Mais pas trop. Ah, pas trop. Non, c'est pas drôle. Sage. Non, pas trop. Surtout lui. C'est ça, surtout lui. On change de crème, oui. Ouais. On vous dit à ciao à tous et surtout, écoutez les élagueurs. Ouais. C'est ça. Voilà, ça évite les conneries. Ouh. Et ça évite que les autres élagueurs se fassent peur. Aussi. Parce que putain, j'ai claqué des dents. T'aurais mis une olive tout à l'heure, je sortais valide du. Comme ça. Eh, première pression, à froid. Allez. Allez. Ciao. Ciao.